Bonjour mes petits chats. Alors, comment allez-vous en ce jeudi 12 octobre? Il est 7h30. Alan vient de partir. Là, j'allume dehors, mais je sais pas si je vais le voir passer. Là, il fait noir encore. Ah, bah, il fait pas froid, oh, mon Dieu. Ah, il y a un monsieur là-bas sur mon téléphone. Il va me parler. Il va dire, qu'est-ce qu'elle fout, elle? Ah, c'est pour voir si je le vois passer, mais je le verrai pas. Je le verrai pas là-bas. Trop noir. Ah, si, ça y est, il passe là. Voilà, c'est bien. Voilà, ben c'est bon, parce qu'il y a une voiture qui passe au moment. Et puis, il a croisé avec un autre homme. Ah, ben c'est bon. Allez, on rentre. On rentre, on rentre. Ben, il fait pas froid du tout, franchement. Oh, waouh. Alors, j'ai déjà une machine qui se fait, donc du blanc. J'ai déjà préparé, fait mon fauteuil, le temps qu'à la brosse ses dents, que je préparais. J'ai déjà tout fait, il finit à 10h20. Par contre, je vais fermer ma porte parce que vous allez attendre ma machine. Par contre, je ne sais pas si vous êtes au courant, ben pour ceux qui ont des enfants, quoi. Demain, il prévoit une grosse greffe. Grève. Donc, moi, au collège, je ne le saurai pas. C'est quand il va aller là-bas. À partir de 8h, on va savoir les plannings. Hein. Mais ceux qui ont déjà des enfants et tout au primaire. Il y en a, ils font déjà grève. Donc, il y a les médecins généralistes, il y a pas mal de médecins, par exemple, généralistes, ophtalmo et tout, ils font grève. Ça passait hier aux infos. Donc, voilà, j'ai mis mon escabeau là, parce que je vais aller le ranger. Hier, monsieur m'a dit, bah alors, t'as fini avec ton escabeau? J'ai dit, non, toujours pas. Il me dit, c'est pas grave. Mets-le dans le garage quand même, et puis quand tu voudras fermer tes portes. Faire tes portes, tu iras le chercher. Donc, je l'ai préparé dès qu'il fait clair et tout. J'irai le mettre et puis j'irai récupérer ma poubelle en même temps. Alors aujourd'hui, c'est vraiment lavage des sols. Je vais essayer de nettoyer ici. J'ai une petite astuce pour nettoyer votre plaque. Donc voilà, je me fais couler un bon café. J'ai reçu mes dosettes hier. Alors depuis hier, je déguste mes cafés. Hein. Parce qu'au mois de septembre, on n'a fait que du soluble. Mais le soluble, ça va un moment. Là, punaise, on sent bien le goût du café et tout. Là. Oh là 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 là, je me réveille à mon café au matin. Le matin, c'est café. Hein. Si j'en bois trois là, dans la matinée, là, c'est beau. Hein. Et après, j'en bois un l'après-midi. Ça dépend l'après-midi, soit café ou soit un thé. Mais souvent, la plupart du temps, c'est café. Puis au soir, c'est chocolat chaud. Là, on va commencer à faire des chocolats chauds au soir. Dans ce pla avec son Alors, plaid. mes petits chats, je bois mon café. Il est 7h45 que je bois mon café tranquillement. Et puis après, on se met en route. Allez. Donc là, je faisais couler un peu l'eau pour le temps que le chenal arrive. Hein. Voilà comment gaspiller de l'eau. Franchement, c'est abusé. C'est vrai que c'est une arnaque, ça. Hein. Parce que quand vous allumez l'eau chaude, c'est l'eau froide, ça coule pendant un moment et puis l'eau chaude, elle vient après. Donc moi, je dis que c'est une arnaque, ils nous volent. Voilà. Donc je commençais à faire ma petite vaisselle et je souffrais de mon dos, mes petits chats, franchement, je souffrais. Franchement, waouh, quoi. Donc franchement, le produit de vaisselle de chaque son, là, celui-là, l'orange jasmin, oh, il va trop bien, il sent bon, mais il sent bon. Je crois que demain, je vais aller faire un petit tour à Action demain matin. Ouais, je crois. Je sais pas, cette semaine, j'ai pas envie de faire de ménage. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas dedans cette semaine. Pouf! Puis ça m'énerve parce que mes statistiques, tout y baissent et tout. Je sais pas comment ça se fait. J'ai l'impression que j'arrive pas, en fait. Pouf! Alors, le moral, franchement, je me dis, je me décarcasse et tout. Hein, pour avoir quoi, 200 vues, quoi. C'est quoi 200 vues? C'est rien. Franchement, je sais pas quoi faire. Franchement, il y a des moments, je me dis, je vais arrêter. Hein, mais après, je me dis, mais non. Persévère, persévère. Mais je vois qu'il y a il y a des youtubeuses, ils font rien. Franchement, hein, ils font rien. Et puis ils buzzent. Mais moi, je me décarcasse. Je souffre du dos, je souffre de partout. Je me décarcasse à faire mon ménage, je me plie en quatre. Il y a des moments, je fais des vlogs, je vais mélanger des vlogs, ménage et tout. Ben non, y a rien. Là, je regarde ce matin, je vois, pff, ah, ça m'a démotivé. Hein. Je vois tous mes statistiques et tout, tout à la baisse et tout. Ça va pas en fait. Ça va pas. Donc cette semaine, franchement, pour être honnête avec vous, j'ai pas le moral. Donc je fais vite fait, bien fait. On verra la semaine prochaine, quoi. Faut que ça remonte, quoi. Ah ouais, je dis, j'ai fait un bon mois de septembre, que là, octobre, chute libre. Bouh. Enfin, on va arrêter de se plaindre, Nathalie, arrête de te plaindre. Donc là, je faisais ma petite vaisselle, mes petits chats. Le petit déjeuner, tout ça. Comme ça, je me suis dit, ça y est, c'est fait, quoi.
Et c'est plus à faire. Donc voilà. Je voulais faire tout nettoyer mes couverts, vous savez, mes couteaux, mes petites cuillères, mes fourchettes et tout. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas de motivation, j'ai pas de goût. Voilà, ça me dégoûte. Et je crois que je vais faire une vidéo coup de gueule et je vais me plaindre. Je vais me raconter mes problèmes et tout. Je crois que je vais buzzer en fait. Je crois que je vais venir à faire comme tout le monde en fait, se plaindre sur YouTube. Je crois que comme ça que ça fonctionne. Donc écoutez, avoir une maison crade, se plaindre, raconter nos problèmes. Je crois qu'il y a que ça qui va sur YouTube. Faut arrêter quoi. Donc là, franchement, je pousse un petit coup de gueule parce que moi qui est honnête, que je fais du ménage, ma maison elle est clean, j'essaye de motiver des gens, dire ben s'il y a des gens qui n'ont pas trop la motivation ou qui n'ont pas trop envie, je leur donne la niaque. Allez, allez-y. Après, vous êtes bien dans votre corps, quoi. Votre ménage est tout, y est fait et tout. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, Losma, aujourd'hui, je pousse un petit coup de gueule. Et ça sera le titre de ma vidéo. Petit coup de gueule et je vous dirai combien que j'ai de vues. Je pendais ma machine de blanc, ben, il n'y a pas grand-chose, c'était des t-shirts. Et juste après, je mettais les chaussettes en fait, toutes les chaussettes blanches. Donc que je ne mélange pas avec le linge blanc. Donc là, je faisais couler une petite bassine d'eau. Sur votre plat, que ça soit vitraux ou l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'ai eu peur cette semaine parce que j'ai vu plein de petites taches. Ah ben, regardez, j'en ai encore là. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Attendez. Vous allez voir quelque chose, mais j'ai toutes des petites taches. Comme si, vous savez, quand vous mettez le produit, moi, je mettais le produit au sein quand je faisais ma selle, puis je laissais agir. Et ça a séché, en fait. Vous voyez? Et ça me fait plein de petites traces. Bon, j'en avais plein. Là. Franchement, hier, quand j'ai nettoyé ma plaque, j'ai eu peur du punaise. J'ai foutu en l'air ma plaque, quoi. Donc, j'en avais plein tout le. Bon, là, elle est sale. Hein. Enfin, je l'avais fauté hier soir, mais je l'avais pas bien rincé, tout ça. Bah, elle est déjà pleine de griffes et tout. Hein. Mais regardez, là, je sais pas si vous voyez des trucs. Mais elle avait plein de petites taches. Donc, j'ai trouvé une solution. La solution, c'est quoi, mes petits chats? C'est ça. Si vous avez des taches que vous n'arrivez pas à avoir ou quoi, le liquide de rinçage. Donc, vous en mettez. Hop. Hop. Vous passez votre lavette. Alors, faut pas qu'il y ait de produit vaisselle, rien du tout dessus. Hein. Faut qu'elle est clean, clean, clean. Hein. Donc, moi, regardez, j'atteins deux. Hop. Voilà. Vous la tordez bien. Attendez. Hop. Voilà. Après, vous passez. Hop. Donc, je vais essayer de pas aller sur les boutons là, sinon ça va sonner. Je la frotterai après, c'est pas grave. Donc, vous frottez bien. N'ayez pas peur de. Hop. Voilà. Puis on fait des cercles. Vous voyez des mouvements circulaires. Voilà. Voilà. Et ensuite, bon, moi j'attendais quelques instants le temps que le produit il s'imprègne bien. Et après, vous prenez une microfibre, vous rincez pas rien du tout hein, et vous frottez au sec. Hop. Vous voyez, c'est bien au sec. Et hier, j'ai oublié de prendre en course du produit à vitre. Et puis après, ben, vous passez un produit à vitre. Mais moi, j'en ai pas. Et puis après, ben, il n'y a plus de tâches. Vous n'aurez plus de tâches, plus rien. Et votre plaque va briller. Donc voilà. Donc moi, je l'ai fait comme ça, grosso modo. Mais je la recommencerai là après manger, quoi. C'est juste pour faire voir l'astuce numéro 1. Voilà, j'ai pas allé trop fort dans mes mouvements parce que hier j'étais à Leclerc, je vois vous dire, et j'avais pris 3 packs d'eau de cristalline. Et le temps il est triste, triste. Et j'arrive à la caisse, et souvent quand j'arrive à la caisse, je dis j'ai 3 packs de cristalline de 1,5 litre. Et là je tombais sur une caissière, c'était une jeune, elle avait une vingtaine d'années, elle me dit non, non, madame, faut que vous levez vos packs. Je dis ah bon? Elle dit oui, elle dit parce qu'il y en a, ils arrivent à voler, ils mettent des choses en dessous des packs. Oh, je dis, vous êtes sérieuse, je dois lever mes packs. Elle me dit oui. Et j'avais une bouteille de coca, une bouteille de.
Je fais psagrum et tout. Et ça, pareil, d'habitude, je laisse dans le caddie. Je dis, ben, j'ai un coca, et puis je fais psagrum. Elle me dit, non, non, elle dit, ça, faut le mettre sur le tapis pour que les caméras, ils le voient. Ok, du coup, j'ai porté mes packs d'eau, mais je vous promets, franchement, j'ai tellement porté, mais j'ai pris comme ça. Moi, elle m'a pris au dépourvu, vous voyez. Et il y avait du monde derrière moi, donc pour me dépêcher, j'ai pris mes packs d'eau, je les ai soulevés. Mais là, mon dos, je vous promets, depuis hier soir, je souffre de mon dos. Donc écoutez, là, je voulais faire vraiment un grand, grand, grand ménage. Mais le ménage va être restreint, quoi. Je préfère pas renchérir dessus sur le dos, vous savez. Donc je devais nettoyer dans mon armoire et tout, mais non, je ne vais pas le faire. Donc je vais faire ma table, mon lavabo. Là, je vous ai fait voir, là, je vais frotter le micro-ondes. Enfin, les surfaces dessus, là, c'est propre. Et je vais laver mes sols, et je crois même mes sols, je vais le faire au balai vapeur parce que je souffre. Je souffre, et si vraiment j'ai mal comme ça, je crois que je vais prendre un efferalgan parce que j'ai tellement porté le pack, mais comme ça, quoi. Eh ben, je meurfle le monde, franchement, depuis hier soir. Mon mari me dit, bah, qu'est-ce que toi? Je te jure, elle m'a fait porter le pack d'eau, mais même hier soir, je faisais ma vaisselle, j'ai dû sûrement faire, j'étais mal positionnée en plus. Et elle m'a pris dépourvu, quoi. Je dis, punaise, c'est pas possible, je l'ai traité tous les noms. Je l'ai traité tous les noms. Donc, je préfère pas faire, hein. Donc, je vais aller crescendo, crescendo, mais je vais me dépêcher parce qu'il est déjà 8h35. Et comme je vous ai dit, Alan est fini à 10h20. Donc, je dois lui faire les paninis. J'ai le live. Donc, de toute façon, ouais, de toute façon, j'ai le live à 1h15. Donc, mes ménages, vous aurez demain, quoi. En profondeur, quoi. Si ça va mieux, quoi. Donc, quand j'ai mal comme ça, je préfère pas. Puis, c'est une perte de temps pour vous et pour moi parce que moi, je vais tout le temps m'arrêter parce que vous ne voyez pas sur la vidéo. Je vais tout le temps m'arrêter pour me poser parce que je vais avoir des douleurs intenses. Donc, je vais m'asseoir, je vais me poser 5-10 minutes. Donc, c'est une perte de temps. Je vais reprendre. Et puis, vous voyez. Donc, je préfère faire qu'est-ce que j'ai là en surface. Vous voyez, même les sols, balai vapeur, aspiration, balai vapeur. Et puis, vous aurez mieux la semaine prochaine et demain, quoi. Vous voyez. Allez, je vous repose mes petits shorts. Après, peut-être en m'échauffant, quoi. Peut-être que quand je vais être dans l'action, je vais faire, mais je préfère pas. Franchement, je préfère pas, quoi. Donc, voilà l'astuce numéro 1. Là, je nettoyais mes lustres, enfin mes lampadaires, je sais pas comment on appelle ça, ouais, des luminaires, avec mon produit, vous savez, eau tiède, de vinaigre et puis un peu de produit vaisselle. Je me dis peut-être que je vais essayer, j'ai essayé comme ça, c'est la première fois. Peut-être que la poussière, elle va moins retomber dessus. Et je vous dirai comme ça si ça fonctionne, ben je vous le dirai, puis vous pourrez le reproduire chez vous. Parce que là, tous les 2 jours, je les nettoie puisqu'il y a de la poussière au-dessus, quoi. Donc, je nettoie bien mes tabourets, donc toujours avec cette solution-là. Donc, mes tabourets, mes lustres, j'ai fait avec la même solution. Donc, voilà. J'essaie de vous faire un petit contenu quand même correct. Donc, de là, après, j'allais nettoyer mon micro-ondes. Donc, j'enlevais tout, enfin, je rangeais mon plan de travail et tout. Et j'enlève la SodaStream. Je vais essayer d'aller la ranger au garage parce que j'ai ça. Alors, soit je la revends, je vais en parler avec monsieur. Soit je la revends, soit je vais la mettre dans le garage parce que souvent on s'en sert l'été. Mais là, cet été, j'ai même pas acheté de bouteille de gaz. Je sais même pas combien elles sont. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup maintenant de dépenser de l'argent dans ça en fait? Parce que les bouteilles de gaz, moi dans le temps, ben, il y a 2 ans en arrière, je la payais 15 euros la consigne. Donc 15 euros. Plus la bouteille qui va avec, l'autre sirop est à 6 euros. Est-ce que ça vaut le coup? Donc, si vous avez des SodaStream ou quoi, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi, maintenant, bah, j'achète des bouteilles de grenadine et puis j'achète bah, des packs d'eau. Ou alors, j'achète la limonade de Marc Repère, la blanche, là. Et on se fait des Diabolo grenadine, quoi, ou une grenadine eau. Donc, dites-moi si vous avez des SodaStream, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir ça, en fait? Donc, je sais pas, je vais voir avec lui.
Et puis voilà, donc sur la description, je le dis, je ne le marque pas, ça m'énerve que je ne le note pas. Je vais vous mettre mon Vinted. Donc Nathalie 6238. Donc allez faire un tour. Là, j'ai mis mes baskets Puma à vendre. Ils sont toutes neuves, je les ai mis 2 fois. Et vous le savez, hein, parce que j'étais arrangé à mes pieds avec ça. Donc vous le savez, je les ai mis à 40 euros. Là, et puis j'ai mis quelques trucs à Alan. Il y a bien 3 trucs qui ont été vendus. Je suis contente. Je l'ai dit à Alan hier, donc Alan il a dit qu'il allait regarder sur Vinted parce que il vend des affaires à lui pour se racheter par derrière, quoi, vous voyez. Donc c'est après, il a besoin d'autres choses, je suis là derrière, mais c'est pour lui apprendre que si on veut quelque chose, il doit trier ses affaires, il doit vendre pour se racheter, etc., etc., vous voyez. Voilà, comme là je vais commencer à lui donner de l'argent de poche et puis pour qu'il sait gérer, quoi. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vais aller fermer ma fenêtre de chambre parce que là, il pleut à Dikedak et les fenêtres sont grand ouvertes. Actuellement, quand je vous parle, il est 10h20. Voilà, mes petits chats. Donc, il est 9h35. Mon mari vient de m'appeler parce qu'il s'est fait mal au boulot lundi. Et ma fille, elle lui a donné ça, la lamaline. Et j'ai t'ai pris 2 cachets, donc pour la journée. Il me dit, non, j'en ai pris 2 d'un coup. Oh, Jeanne, non, il me dit, c'est marqué 2 gélules. 3 à 4 fois, c'est vraiment plus, c'est marqué 2 gélules. 1 à 3 fois par jour. Ou 4, 1 à 3 fois 4 par jour pendant 5 jours. Donc j'ai dit, c'est. Voilà, quoi. Donc voilà, j'ai fait ma petite routine ménage là, pas le grand ménage que vous savez. Moi aussi, j'ai en train de souffrir là. Je me suis mis du Ketum. Moi, j'ai essayé de me démerder comme je pouvais pour mettre du Ketum. Donc voilà quoi. Après, j'ai fermé mes paupiettes. Donc voilà, donc j'ai aspiré, les vapeurs, j'ai nettoyé mes lampadaires, j'ai nettoyé mes tabourets, j'ai nettoyé au-dessus de mon micro-ondes. Et puis voilà, donc là il me reste ma vaisselle à essuyer. Donc là je laisse se aérer un petit peu. J'allumais ma bougie. Oh, hier c'est ça, je devais vous dire. J'allumais ma bougie. Donc deuxième astuce, si vous avez un fond de bougie et que vous n'arrivez pas à accéder soit avec un briquet, parce que vous avez que ça sur la main, vous n'avez pas d'allumette, vous n'avez pas de truc électrique, là, vous prenez un spaghetti. Prenez un spaghetti, vous allez voir, ça va tout seul. Vous n'allez pas vous brûler les doigts. Donc voilà, écoutez, donc ça sera une petite vidéo ménage quotidien. Là, c'est une bougie que Katia m'avait offert et ça fait quoi là? Ça fait 1 an, je crois que je l'ai et je ne l'ai toujours pas allumée. Donc voilà, ça c'est l'enveloppe des collèges, là, le délégué représentant de parents d'élèves. Il faudrait que je regarde là, parce que oh, je ne sais même pas quand il faut le rendre. Ça c'est la bouteille d'eau à vider et puis. À vider la bouteille. Ah ouais, je dois aller chercher ma poubelle grise et mettre ma poubelle jaune. Hop, donc là, j'ai mis à tremper mon gouda. Hop, voilà. Et ouais, hier à Leclerc, quand j'étais à Leclerc, j'ai dit, je vais regarder au niveau de mes courses. Mes courses, n'importe quoi, Nathalie, sérieux, là. Les bougies, je voulais m'acheter une bougie. Oh, quand j'ai vu les prix des bougies, même tout ça, j'ai dit, mais c'est non, 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 c'est pas la bougie, elle restera 5,50 € je crois. Un truc comme ça, je l'ai même dit à mon mari hier soir, il me dit, c'est abusé. Ah non. Donc, si vous connaissez des bons sites pour commander une bonne bougie, vous savez, qui dure et qui sent bon chez vous, mais une bonne bougie, je veux. Parce que là, on arrive période, on est automne et hiver. Et moi, quand il y a du temps comme ça, moi, j'aime bien avoir des senteurs chez moi, quoi. Enfin, des bougies, même au soir, je regarde la télé, je veux avoir une bonne senteur chez moi. Donc, si vous avez des sites pour des bonnes bougies, rendez-vous en commentaire. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, mes petits chats. Et puis, moi, je vais continuer ma petite journée tranquillement, tout doucement, pas en faire trop. Et puis, ma petite journée jusqu'à 1 heure, quoi. Parce qu'après, on se prend en live à 1h15. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.